Hello, magnifique toi. Apparemment, on est en direct, mais ça me dit que je dois fermer des applications non utilisées. A priori, mon ordinateur n'a pas suffisamment de mémoire. On va fermer des trucs. Voilà, on ferme des trucs. On ferme des trucs encore. Voilà, là ça devrait aller, normalement j'ai tout fermé. Voilà. Bonsoir, magnifique toi, 18h06. Je suis presque en retard. Mais pas tout à fait, parce qu'en fait j'étais bien à 18h devant. Connecté. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai envie de te parler d'être autre chose que ton histoire. Alors, du coup, je suis en train d'ouvrir mon téléphone pour voir les commentaires en même temps. Voilà. Ah oui, j'aurais dû le lancer sur Instagram en même temps. C'est une bonne idée, ça. Bon, je le ferai demain. On essaiera de faire ça demain. Donc, une histoire. Si jamais vous êtes par là, venez, faites-moi un coucou. Hashtag version grandiose pour ceux qui suivent les lives, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre par ici. Hashtag version grandiose, ce serait gentil. Merci. Donc, ah, apparemment, un petit lutin qui a besoin d'aide au mauvais moment. Non, loulou? Moi, je voulais pas me faire remarquer, Ah, il voulait. Ah. Vous ne voulez pas se faire remarquer? Oui, non, mais c'est tout à fait réussi. Je ne fais pas attention à toi, chérie, d'accord. J'adore. Bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler de ne pas être son histoire. Ça devrait être assez rapide, mais en fait, j'en sais rien, parce que j'ai rien préparé. J'ai noté deux petites choses comme ça, et puis on part à l'impro, c'est parti. Donc, comme introduction, je vais vous mettre en situation. Imaginons que je sois... avec quelqu'un qui me demande si j'ai du feu ou si j'ai une cigarette, et je vais lui répondre, je ne fume pas. Voilà, je suis désolée, je ne fume pas. Donc je n'ai pas ça. Et je pourrais répondre, je ne fume plus. Mais je vais répondre, je ne fume pas. Pourquoi? Parce que je choisis de me positionner dans la nouvelle personne que je suis et pas dans la personne que je ne suis plus. Si je dis je ne fume plus, alors je laisse l'espace à cette personne que je ne suis plus et que je ne désire plus incarner, sinon je fumerai encore. En me disant je ne fume pas, à ce moment-là, je ne laisse pas de place à ça. Ce matin, en coaching, j'ai donné un exemple comme ça, et je vais vous le redonner là. Quand j'ai vendu ma voiture, c'était une 306. Bon, on s'en fout du détail que c'était une 306. J'étais fière que c'était une 306, voilà. Alors je l'ai placée. Donc quand j'ai vendu cette voiture, je l'ai vendue à un jeune qui venait d'avoir le permis. Et moi-même, je l'avais achetée à une personne âgée, en fait, dont le mari était décédé, mais il n'avait jamais fumé. Donc c'était une deuxième main, enfin c'était une première main, moi j'étais la deuxième main. Et quand je l'ai vendu, j'ai dit au jeune homme, eh ben, vous serez le premier, non, vous serez le premier fumeur dans cette voiture, parce que je l'avais vu fumer. Et là, mon copain me dit, mais toi, t'es mytho, en fait. Je lui dis, mais pourquoi? Oh, j'étais vexée en plus. Je lui dis, mais pourquoi il me dit ça, mytho, n'importe quoi. Et en fait, il me rappelle que je fumais il n'y a pas si longtemps. Je fumais quand j'ai acheté la voiture. Donc, c'est pas le premier non-fumeur que cette voiture connaît. Mais je me suis tellement identifiée à cette nouvelle personne que je suis sans laisser la place à l'ancienne personne que j'étais, que j'avais oublié que j'avais été fumeuse. J'avais complètement oublié. Il n'y a pas un moment où ça me revient qu'avant je fumais, quoi. Voilà, il faut que je cherche vraiment. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'exemple type de ne pas incarner son histoire. Si je dis non, non, je ne fume pas et pas je ne fume plus, c'est que je me positionne dans le nouveau moi et pas dans l'ancien moi. Et c'est vrai que moi, ça m'agace un petit peu, je dois bien l'admettre, quand je me présente sous mon nouveau jour et que quelqu'un vient me rappeler, ah oui, non, mais tu ne fumes plus.
C'est pas tu ne fumes pas, c'est tu ne fumes plus. Ça veut dire que tu es obligé d'être ton passé, quoi qu'il arrive. Je parle pas de mon copain pour l'histoire de la 306, ça n'a rien à voir, ça c'était très drôle. Il me dit, bah, y a jamais eu de fumeur dans cette voiture. C'est moi qui dis, il n'y a jamais eu de fumeur dans cette voiture. Et c'est vrai, je me suis trompée. Il y en a eu, c'est juste que je ne me souvenais pas. Donc là, ça ne m'a pas agacé, ça m'a beaucoup fait rire que je me sois vraiment trompée comme ça. Mais par contre, quand quelqu'un vient me dire, non, tu ne peux pas dire pas, il faut que tu dises plus, parce que avant tu étais ça, bah là, j'ai envie de te dire, ça ne regarde que moi, la personne que j'ai envie de présenter de telle façon ou de telle façon. Et quelque part, je t'interdis d'essayer de m'enfermer dans ce que j'étais avant. Je veux dire, si j'ai pris la décision de me transformer, c'est pas pour que quelqu'un me rappelle sans cesse qui j'étais avant. Au lieu de regarder qui je suis maintenant. Et ça, c'est à toi aussi de l'imposer dans ta propre vie, même à... si tu as décidé d'une transformation, à ce moment-là, bah, va jusqu'au bout et présente-toi comme la nouvelle personne que tu es. Ne laisse pas la place à la personne que tu étais. Ne la laisse pas revenir, sinon, enfin, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà. Vous voyez, ça a été rapide, hein, 5 minutes. 6 minutes, tout rond. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas regardé. Alors, je vais descendre pour voir s'il y a des commentaires parce qu'apparemment sur l'ordinateur, c'est en dessous. Si vous passez par là, hashtag version grandiose, ce serait super chouette. Partagez si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Oui, parce que quand vous changez, quand vous décidez de vous transformer, la rechute, elle peut venir du fait que tu es obligé tout le temps de te rappeler, voilà, tu as ta carte d'identité, sur ta carte d'identité, il y a écrit ancien toxicomane, ancien buveur, ancien marié, ancien, je sais pas moi, oui voilà, est-ce que tu es marié? Non. Est-ce que tu es obligé de dire divorcé? Qu'est-ce que ça apporte? Alors après, tu fais comme tu veux. Mais si tu veux construire une vie sous un nouveau jour, avec un nouveau toi, bah, présente-toi comme la personne que tu es aujourd'hui. Voilà. Donc, partage si tu penses que ce live peut aider quelqu'un. Si tu penses que quelqu'un cherche cette énergie, partage-le, s'il te plaît. Et puis voilà, moi je vais te faire des bisous et te dire à demain, 18h. Bisous.